Bonjour à tous, alors là c'est exceptionnel, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de quelqu'un qui est comme vous, qui me regarde fidèlement, Gilles, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors merci de me suivre, vous voyez on est là sur l'hippodrome de Paris où il y a un quintet et j'espère que comme Gilles vous m'avez écouté, Evita Perón. Je le claironnais, j'étais le seul journaliste en France à vous dire qu'il fallait l'enlever. Evita Perón n'était pas prête, elle n'est pas encore à son niveau. Et puis elle aura d'autres occasions pendant le meeting d'hiver de revenir. Et c'était évident. Et on a vu à un tour de l'arrivée, elle a dit non parce qu'elle n'est pas encore l'Evita Perón qu'on aime bien. C'est notre coqueluche régionale. Et Gilles, on voyait bien Elis Cabéry. Je t'ai dit que je voyais bien les Cormis, le cheval de Madame Colombo hein, que je vous indiquais. Et puis je ne pensais pas, j'en ai mis deux des Cormis et il y a eu trois Cormis qu'il fallait jouer, dont Choupette. Choupette. Madame Colombo a failli vous donner Choupette. Bon voilà. Maintenant, on va aller sauter du côté de Compiègne et on va faire sauter le bouchon. Hein. On est à Lyon, tu le veux bien parce que le cheval que je vois bien, gros comme une maison, je suis très chaud avec Champagne Mystery. Son nom me plaît, le numéro 4. Son papier, si vous le faites bien, c'est une première chance. L'entourage est confiant. Il est à 16 contre 1 et pour moi, c'est du pétillant avec modération, ce 4, je le sens bien. Et puis, en milieu de tableau, il y a un cheval qui est au top, c'est Captain, qu'on avait déjà vu bien courir, qui a tout pour lui, 3 courses, 3 fois dans les 3, bien placé au poids avec Philippe Ron. Je crois que tu l'aimes bien, Philippe Ron. Oui, hein. C'est un de mes jockeys préférés. Et bien voilà, donc on te fait plaisir avec Captain, qui me semble une bonne valeur dans ce lot. J'aime bien après le 10 Eximia parce qu'elle est dans son jardin, ça veut dire qu'elle aime bien l'hippodrome de Compiègne. Et puis il y a un cheval qui a été la révélation de cet été, c'est le 6 Shenko Magic. Shenko Magic, je l'ai vu gagner avec la manière un quintet d'été. Depuis, il vient de se dégourdir les jambes en plat. Je pense qu'il devrait profiter de ce quintet avant les joutes d'Auteuil parce qu'à mon sens, il est mieux à Compiègne qu'à Auteuil. Donc à lui d'en profiter. Le 1, ben, c'est le favori, hein, le Huron. Mais je le mets bas, alors c'est le meilleur du lot. Il est capable de gagner un gros quintet à Auteuil, mais vous le savez, je suis hostile à faire monter les chevaux à plus de 70 kg, donc je suis obligé de le mettre bas. Mais entre nous, Gilles, le Huron, il va gagner son quintet, mais pas à Compiègne, parce qu'il peut le gagner à Auteuil. Et à Auteuil, la location est plus juteuse. Donc on va le voir, il va courir propre, hein, parce qu'il a vraiment un quintet dans les jambes, ça veut dire qu'il peut en gagner un. Le 2, risque du briset. Alors, pour ne pas briser nos espoirs, hein, il ne faut surtout pas oublier les chaillés en ce moment. Tout à fait. Un entraîneur qui est en forme, qui a défrayé la chronique, hein, parce que ça s'est vu que l'un de ses chevaux à cran n'a pas défendu ses chances, il a eu une amende. Bon, on ne lui en veut pas, on le reprend. Par contre, son cheval, hein, ce n'est pas un cadeau, 71 kilos. Et puis, Happy Day, le numéro 3, Mademoiselle Mel en met 2. Je voulais mettre les deux alors. J'ai pas pu mettre les trois Cormis. Est-ce qu'il fallait mettre les deux mêles? Pourquoi pas? Parce que son 16 a une chance. Mais je me suis dit que le choix de Revelet est important. Le numéro 3, Happy Day, je le mets sur mon ticket. Il y aura forcément au moins un des deux de l'entraîneuse à l'arrivée. Et puis, si vous regardez bien la dernière course du 8, Halo on Fire, il va faire feu de tout bois. Il a très bien couru la dernière fois de façon prometteuse et je crois qu'il peut compléter la bonne arrivée. Est-ce que tu aimes les courses d'obstacles, Gilles? J'aime les courses d'obstacles, mais à condition qu'il n'y ait pas de dégâts. Ah ben voilà. Alors, à la lecture, tu n'as pas fait le papier, mais est-ce qu'il y a un cheval qui te plaît bien? Moi, je suis partisan de l'entraîneur Chaillé. Donc, on va mettre le 2, c'est ça? Oui, risque du briset. Risque du briset. Eh bien, merci, Gilles. C'est moi qui te remercie, Jean-Marie. Et merci à tous ceux qui me suivent fidèlement. Merci à vous. Merci beaucoup.